Juste avant que cette vidéo ne démarre, je voulais vous informer que nous sommes actuellement en live pour jouer un event qu'on a organisé avec Matox, qui s'appelle le Speedrun Community Challenge. J'ai pas trop eu l'occasion d'en parler avant, mais c'est très simple, notre objectif c'est de finir le jeu, et votre objectif à vous c'est de nous en empêcher. Via le chat Twitch ainsi que les points de chaîne, vous allez pouvoir jouer directement et interagir avec notre jeu, dans le but qu'on ne finisse pas Minecraft. Et si on n'y arrive pas au bout de 12 heures de jeu à peu près, on va débourser beaucoup. Donc venez nous faire rage kit, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec vos points de chaîne, on a beaucoup bossé sur l'event, n'importe qui peut jouer, que vous me suiviez depuis un an ou depuis 10 ans, et si ce genre d'event vous plaît, n'hésitez pas à follow cette chaîne et ma chaîne Twitch en plus, parce qu'il y aura d'autres events de la sorte à l'avenir. Je vous laisse avec votre épisode de Fallen Kingdoms que vous me réclamez depuis 3 semaines, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour tout le monde, bienvenue, on est en 2021, bienvenue dans FK, c'est la team de FK. Là c'est bon là ou pas? Juste crie pas. Heureusement vous m'avez dit parce qu'en fait j'avais mal réglé. On avait remarqué. Heureusement parce que j'avais mal réglé. Attends mais mec ça reprend déjà, il y a déjà du kill, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont chauds mec, c'est les premiers kills de 2021 là. Eh mec, je me souviens plus d'où on en était en fait. Avec Gil j'ai une idée, imagine, regarde on a 17 milliards de TNT, pourquoi on fait pas péter tout autour de chez nous? Parce que ça sert à quoi? Alors oui, ça sert qu'ils vont galérer à monter. Ouais, juste avant le record, Ninjax il m'a dit, j'ai une petite technique qui pourrait être pas dégueu, c'est en vrai, vu qu'ils peuvent pas poser de blocs, tu sais, en dehors, dans ces cas-là, est-ce qu'on pèterait pas, genre, tout ce qu'il y a autour, ici, etc., genre vraiment loin, tu vois, et profond. Ouais, de loin. Comme ça, ils arrivent, genre, imagine, ils arrivent là, ils se disent, vas-y, on va assaut, mais il y a un trou gigantesque devant eux, tu vois mais ce que je veux dire? Ils peuvent assaut avec le sodo, non? Ils vont galérer à truc, et nous, on peut leur fumer. Ouais, j'ai un arc. Moi, j'ai l'infinity, mec. Mais on a combien de stacks de TNT? Non, parce que tout à l'heure, on les trollait, on disait qu'on avait 7 chacun, mais on a 2 stacks, ça c'est sûr. Il me semble qu'on a 2 stacks. Vous voulez aller déboîter qui? On voulait Nems, faut fumer Nems. Ouais, mais Nems, je crois qu'ils sont en train de se fight avec quelqu'un. De ce que j'ai compris, apparemment ils auraient des Wither à nous mettre dans la gueule. Bah c'est pour ça, vaut mieux les fumer. Ah oui, ils veulent nous Wither en fait. En gros, de ce que j'ai compris, Nems ils veulent nous garder en dernier, mais ils veulent nous fumer avec des Wither. Et c'est qui se fight là? Attends, c'est Rafo, Lenka. Lenka c'est quelle team? Et les jaunes contre les bleus. J'ai une potion de speed. Bonjour. Bonjour. Je viens un peu voir pour l'instant, je prends juste la température au niveau de la strate de chacun. Parce que j'ai un truc à vous annoncer après, mais d'abord je veux savoir ce que vous prévoyez. Il y a un event obligatoire qui va se pointer dans pas longtemps. Ok. Donc commencez à réfléchir à votre ambassadeur. C'est pas du PVP, vous perdrez pas votre stuff, rien du tout, mais commencez juste à réfléchir à lequel de vous. J'y vais. On n'a pas d'indice, rien du tout. Juste que c'est pas du PVP. Et est-ce que les autres ont le droit d'assaut pendant ce temps ou pas? Non. Ok. Et est-ce que les autres pourront regarder ou pas? Oui, en fait, c'est un event commun. Il y aura un représentant. Ok. Est-ce que je te fais chier avec mes questions? Je vais voir les autres équipes. Ok, très bien. Ça, c'est une bonne question, Guil. Moi, je pense que c'est une épreuve d'intelligence. Je pense aussi que c'est une épreuve à la limite où il y a de la logique ou des trucs comme ça. Je pense pas que ça sera. Ou alors du jump ou un truc comme ça, mais je pense pas. Pas de skill, moi, je suis chaud. Les youtubeurs Minecraft sont-ils intelligents? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Bon, au final, Ninjax a 110 de QI, j'ai 125, et Gil, ce gros fou, il a 130. Moi, je pense que c'est une épreuve d'intelligence. Du coup, moi, je prends le repeater, si c'est le repeater qui sort, c'est moi qui vais. Ah bah, c'est toi. C'est toi. On essaie de trouver quelques stacks chacun. Je sais que dans les coffres il y en a 24. Ah les gars, on récupère aussi de l'endstone. Ah j'avoue, pour refaire la base, j'avoue c'est pas con ça en vrai. Vas-y, go, moi je tue les Enderman à mort alors. L'idée ce serait d'avoir 4-5 stacks. 35 et combien de diffusions par semaine? C'est un épisode tous les 2 jours donc imagine mec. T'imagines, ça fait 70 jours gros, des diffusions. C'est plus qu'une télé-réalité gros, c'est plus qu'une télé-réalité. C'est une télé-réalité ouais. Koh-Lanta même ça dure moins longtemps que ça. Mec, imagine Fallen Kingdoms mec, sans équipe. Toutes les secondes il y a des éliminations. FK 11, sans équipe de 2. 200 joueurs, bam. Ouais le serveur il tient pas. En vrai tu trouves un serveur, tu fais un event comme ça en live, franchement ça vous dit pas mec, on organise ça en 2021. Non mais après le problème c'est que ça c'est un event sur un week-end quoi. Bah oui, justement oui, mais tu fais justement un week-end type une cité, tu vois. Genre, je suis sûr, en live, mec, ce qu'on fait là, ça aurait été génial, franchement, tu vois. Ah, mais en live. On fait pas une cité. En vrai, je suis grave chaud. On organise un event comme ça, un FK gigantesque ou quoi. Ou pareil, il y a des cumuls d'équipes ou quoi, et à la fin, ça fait du coup 2 équipes de 100. On va trouver une marque et tout qui sponsorise le truc. Et qui... Mais ouais, bien sûr. Ah, mec, oui, on est corporate, j'avoue. Là, mec, je suis sûr, ce qu'on fait là en live, ça serait passé génial hein, sur un week-end, regarde frère, sur 19 jours, ça aurait été énorme. Ah non, mais mec, ça se fait de ouf, hein, franchement. Franchement, cette année, on fait ça, ça vous dit. Moi, j'ai la team pour faire la map. À 40 000 pouces bleus sur cette vidéo. Tu y arriveras pas, allez, attends. Tu m'as demandé combien de stacks déjà, Ninjax? 2 ou 3. J'en ai 4 là. Bah vas-y, go, viens. Putain, les mecs ils vont arriver, ils vont rien comprendre. Ah, j'avoue, ils vont pas capter. Tiens, je t'envoie tout. Balance. Vas-y, Fuse, faut que tu viennes. Bravo la team jaune qui élimine la team grise. What? Oh, y'a plus Nems. Oh, c'est fini. Y'a plus Nems. Désolé les bros. Alors là, ils sont partis, ils sont fait Frigialède. Tiens, Fuse, on y va, on va les niquer. Ah, ça y est, Nems là, on a pété un plomb. Ah ouais, bah alors là. Tout le monde va rentrer avec des TNT, hein. On va pas essayer de trouver le système de l'autre. Ouais, je pense, de toute façon, ça c'est sûr. Toujours personne au 0-0. On a 4 stacks de 10 stacks de TNT, c'est pas pour rien. Je suis au 0-0, je tourne autour, mec.
Ah, y'a Inorit, il est en train de faire un truc là. Je sais pas, il est en train de faire, je crois, du dé à coudre, je crois. Ah, c'est marrant ça. C'est un dé à coudre, je pense, Ninjax, tu dois y aller, ouais. C'est moi, je fais un dé à coudre. Moi, je fais le tir à l'arc et toi, tu fais le dé à coudre. Dé à coudre, t'es meilleur que nous. Ah, pense. C'est clairement un dé à coudre vu qu'il y a la structure en haut là. J'avais chaque équipe, fort en dropper. Ah, non, c'est dé à coudre. Oh, j'ai une base en face, c'est qui ça? Oh, j'ai trouvé la base des bleus. J'ai la base des bleus, je vous envoie les coordonnées de la base des bleus. Ils ont mis de l'eau de partout autour de leur base. L'ordre sera blanc, bleu, jaune, vert. Je suis dernier, c'est ça, moi, je suis vert, on est vert. Donc, t'as le plus dur, toi. Super. J'ai une autre base en face, je crois que c'est la base des jaunes. Y a moyen. Ok, c'est tout récent les jaunes. Je crois que c'est les jaunes ça, parce que c'est vraiment tout récent. Ok, les blancs sont morts. Alex est mort aussi. Ok, bah il reste plus que Ninjax et il peut-être gagner en vrai. Hein. À la main, attention. Meurs s'il te plaît. Alors Ninjax, il faut que tu le valides. Valide. C'est bon, GG. Putain, il est trop chaud, mec. Mais oui, il est trop chaud, ce mec, c'est fou. Ok, j'ai la base des jaunes. Ça y est... Non, c'est les blancs. C'est les blancs. Ok, j'ai deux bases, je continue. Eh, c'est vrai qu'on peut toujours faire une alliance, en fait. Ouais. Oui, on a le droit à une alliance. Je viens un petit peu observer ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé les bases de tout le monde. Je note les coordonnées. Je suis rentré en vainqueur dans mon pays, comme a dit Fuse. Ok, je crois que j'ai la base des jaunes. Si j'ai la base des jaunes, on peut y aller. Puisque j'ai la base de tout le monde, là, c'est bon. Ah, ça y est, vous vous lancez dans les assauts, là. Nous, mais on continue, tu veux dire. Oui, enfin, vous relancez dans les assauts. Ça y est, j'ai leur base enfin. Ok Ninjax, on est en 175, moins 500 si tu veux. Tu vous rejoins ? Ouais. Moins 500. On va peut-être se barrer en vrai là, en attendant Fuse, non ? Parce que là, s'ils nous butent, on a perdu. Bon, on va se planquer derrière. En fait, le problème, c'est que si on les élimine eux, en fait, ça aurait été bien de faire l'alliance, tu sais quoi ? Non, mais oui, faut faire l'alliance, mais avec d'autres pour pas qu'on se fasse attaquer en fait. En fait, tu sais quoi, mec ? Attends. Pour péter notre base, moi je te le dis, c'est compliqué. J'ai demandé à Yuneko les blancs, est-ce que tu veux aller sur les jaunes? On a notre alliance. Parce que l'idée c'est que, regarde, écoute, si jamais on fait une alliance par exemple, imaginons avec les blancs. Il reste dans la game après les blancs, les bleus et les jaunes. On sort, on n'a pas le droit d'ally, nous ils ont dit Yuneko. Parce que le truc c'est que si jamais tu vois, on gaspille leur alliance par exemple aux bleus, parce qu'en sachant que les blancs ne peuvent plus. Donc on gaspille l'alliance des bleus, on gaspille l'alliance des bleus, on élimine les jaunes, et du coup il peut plus y avoir d'alliance des deux dernières teams contre nous. Parce que de toute façon, les jaunes, vous êtes en alliance. Non, en fait, j'essaie de jouer stratégique et de cramer les alliances des autres. Pour plus qu'ils puissent être team contre nous après. Non, en vrai c'est... À ce moment-là, je pense avoir trouvé une stratégie de jeu intéressante. Comme nous avons le droit dans ce Fallen Kingdoms à une alliance maximum dans toute la saison, et que nous disposions encore de la nôtre à ce stade-là, j'ai proposé à une autre équipe de faire alliance avec nous contre les jaunes. Cela nous permet de nous assurer une réussite sur l'assaut, et surtout de cramer l'alliance de nos futurs adversaires également. Les blancs ne pouvant plus faire d'alliance, il ne nous restait plus que les bleus. Y'en a un qui est descendu. Bon, attends, moi je prends giga cher, les gars, je vous le dis. Moi je prends giga cher. Bah oui, toi tu t'es pris de la TNT de fou. Mais la TNT elle m'a mis trop mal. On pète tout, hein, rien à faire. Ça, par contre, son arc, mec, je prends deux flèches, je suis midlife, hein, déjà. Et sinon, on fonce sur le Kyrobros là qui est dans la. Qui est au sol. C'est l'arc de qui il me focus. Il me focus exprès en fait. Venez, on va se quitter. Gil, tu viens avec moi sur Kyrobros ou pas? Attends, je suis en train de heal, vas-y. T'es derrière moi, Gil? Ouais, attends, on n'est pas derrière toi, recule un poil. Voilà, on a pété de tous les cortés. Ça, on leur fait peur un peu. Ils prennent des potions. Vas-y, prépare-toi. Ils ont pris des potions. Éloigne-le un maximum. Voilà, nickel. Récupère le stuff, y'a quoi dedans? T'as de la chance. Oh, il m'a. Ouais. Oh là, par contre, ça m'a foutu dans le. On fait gaffe, ouais. C'est bon. Oh là, on a bien pété. Attends, on peut pas. Vraiment, j'ai bu la potion de. Une potion de poison chez eux. Ouais, une potion de poison utilisée chez eux, les gars. Là, on pète tout, là, on a bien. Vas-y, on peut rentrer là. Oui, on peut rentrer peut-être. Je ne sais pas. Pas encore, attends. Allume. Elle est buggée des fois, le briquet. Oh, j'espère on se fait pas friger là-dedans. Oh, la maille est tombée. Ouais, attention les gars, ils sont tombés. J'ai pris cher. Vas-y, barre-toi, Gil, c'est bon, on a réussi à s'en sortir sans trop de galère. On peut les buter à l'arc, hein. Ils sont bloqués, hein. Ils sont bloqués de ouf, hein. Nice, moins. Allez, vas-y, on les bute à l'arc. Attention, pas vous taper derrière. Y'a la main qui tape. Fais péter. Voilà, nickel, faites gaffe. Cachez-vous. On peut rentrer. Oh, c'est bon, on est rentré. Attention, mec. C'est bon, on peut rentrer. Viens, Fuse. Il est under pair. Alex. Viens, on va chez eux. Regarde, j'ai peur que ça soit ici, là. Regarde là-bas, tu vois. Eh, on met de la TNT de partout, gros. Vous avez combien de TNT? Il est là, il stuff. Recule. Par contre, ils ont pas le droit d'être aussi. Non, mais me tapez pas, les gars, me tapez pas. Je me fais taper. Non, il y a que toi, recule. J'ai tout fait péter. Ouais, voilà. Je suis vraiment. Low. Ouais, moi aussi j'ai 3 cœurs. Cache-toi dans leur mine. Il m'a poison. Je vais essayer de revenir. Il est poison aussi. Mais les sauter, les gars, les sauter. Oubliez pas vos sauter. Ah oui, putain. Sauter, les mecs. Voilà, allez, bien joué, les gars. Pris, bien joué. Allez, on continue comme ça. Bim. C'est bon, c'est qui le poison? Vas-y, on les fume. J'arrive, les gars. J'arrive. Oh, j'ai une poison. Parfait, okay. J'arrive tout de suite. Il y a tellement de stuff, gros. J'arrive. C'est quoi les coordonnées? Renvoyez-moi les codes, s'il vous plaît. 150, 400. Il est en train de me fumer. J'ai tué l'autre. Je suis mort. Tue-le. J'essaye de buter. Il est mort. Non, je suis mort, mec, on était... Oh non.
On peut y retourner, on s'en fiche, hein. On y retourne, ils ont récupéré du stuff, mais... Ils ont les perles, j'avais tout. T'as un briquet, Guil, ou pas? Ah, j'ai un souvenir. Non, j'ai rien, moi. Non, juste balance. Au pire, comme ça, après, tu restes là et toi, tu... Ok, ils m'ont pas vu, je suis chez eux, mais ils m'ont pas vu, en fait. On y va, on fait tout péter chez eux. Faut qu'on récupère le stuff, absolument. Moi, j'ai Sharpness 4 encore et je vais que du P2. Oui, moi aussi, on a du Sharpness 4. Bonne nouvelle, les bleus vont venir allier avec nous. On va cramer notre alliance avec les bleus et du coup, leur alliance, comme ça, si on bute les jaunes, ils pourront plus après gagner derrière. Vu qu'on a le droit à une alliance. Ils sont là, regarde. Attends, faut attendre qu'ils se séparent. Il a perdu sur moi. T'es où? Je t'ai dit, bah, l'endroit où je suis. Ah, je suis là, hein. On peut le. Il a perdu. Ah oui, Linkia. Il m'a tué, Linkia, il doit avoir un point de vie. Oh, putain. Mais en fait, je peux rien faire. Ils sont les deux sur moi. T'es là, Fuse, ou pas? Non, mais gros, moins 500 là, moi je suis à moins 100. Je suis mort, gros. Bon, les gars, là, on va tempo. Moi, déjà, je vais aller dans l'end, je vais récupérer des perles. Ils sont chez eux. Je ferai des petits checks de temps en temps comme ça. En fait, ce que j'aimerais bien faire, tu vois, c'est rester pas loin de chez eux et pouvoir voir dès qu'ils se cassent. Parce que là, la render distance, faut savoir, elle est trop faible et du coup, je peux pas voir. Ok, je vous dis dès qu'ils bougent. Mais c'est chiant d'avoir des notifs, des fois ça peut être important. Tu leur fais croire que en fait, ils sont chez nous. Ça, c'est trop cramed, Guil. Ah bon, on va voir. Alex me dit, on run. Donc je pense qu'ils sont derrière eux. Si jamais ils arrivent à les attirer chez les bleus et tout, à les tempo, on peut largement les assaut. Oh, ils tournent autour. Vous êtes prêts ou pas? On peut assaut Lama et Linkia. Si vous voulez. Ils sont là. Vous voyez du côté où on est arrivé là avec les bateaux. Ouais. Ils viennent de partir. Ok, j'ai pas bu. Oh. Ne buvez pas vos potions, ils viennent de partir. Ah. On les laisse. Vas-y, venez, on y va. Go. Sortez les TNT, on y va, pose tout chez eux, on fait tout côté. Ouais, go maintenant. Sneaker pour pas qu'ils nous voient. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go, on enchaîne. Les bleus sont en dessous, regarde, les bleus sont juste là. Continue. C'est bon, regarde. Kiroboss was slain by Alex. Nickel, notre alliance fonctionne. Là, il y a la Matougri et tout, ils sont là. Ah, il y a un autre troupe. Oui, ils sont sur moi. Oui, non, mais ils ont forcément. Attendez, on est tous là. Reculez. Je suis à 4 coeurs. On se bat. Je suis à 4 coeurs. Ils se boostent entre eux. Mais comment ils sont rentrés à l'intérieur de la base en fait? Moi, c'est ça la question. Par dessous, je crois. Ils ont fait une entrée. Ils ont pas bouché. Attends, parce qu'apparemment. Attends, il y a une entrée, il doit avoir creusé quelque part pour arriver chez eux. Mec, Fuse, creuse en dessous. Alex vient de me dire, si on passe par les grottes, on peut directement arriver chez eux. Creuse par leur grotte. Venez chez nous, on vous montre le chemin. On va passer par leur grotte, mec, et on va y aller tranquille. Mec, je te dis, moi je vais creuser en tout. Hein. Je te dis, vas-y, continue ton délire, moi je vais creuser en tout. J'ai leur grotte là. Ah, mec, comment tu veux que je fasse un escalier là? Regarde. Ah, si, j'ai une idée. Si, regarde, Fuse. Regarde. C'est bon, attends, mec, moi, là on peut descendre. Non, mais regarde. Viens, Ninjax, dans le coup. Fuse, il a fait. Dis-moi quand t'as un accès. Non, mais regarde, j'ai un accès à leur grotte en fait, on peut passer par leur grotte. Regarde, avec de l'eau pour remonter. On trouve leur salle des coffres, on met 31 TNT chez eux, on fait tout péter direct. Trouve leur salle, c'est fini, terminé, bonsoir. Je suis en bas, hein. Je suis dans le petit truc d'eau, des grottes. Salut. Venez descendre, venez. Oh, y'a Kirobros qui est à littéralement 3 blocs de moi. Non, te montre pas. Sneak, hein. Ouais, mais en fait, je pense qu'il va trouver notre galerie. Ouais, mais justement, reviens en arrière, on passe par les grottes, justement. Y'a de l'eau en dessous pour que je saute. Ouais, vas-y. On est en train de sneak et tout là. Là, regarde, là. Voilà, viens et on avance. Ouais, j'ai vu leur pseudo. Regarde en face, c'est par où chez eux. C'est au pire, si tu sais, on arrive à trouver leur salle des coffres, on rentre tous les trois en même temps, ils ont perdu, hein. Oui, c'est ça. Alex m'a dit, ok, on arrive. Ils vont arriver. Par les grottes aussi. Arrête de creuser. Il est où? Il est juste en dessous, au-dessus de nous là. Il est là, juste à gauche. Regarde, tu vois pas qui rebrosse? Au-dessus et à gauche. Ils sont derrière toi, Fuse. Attends, laisse-les venir, on les prend ici. Laisse-les venir ici dans le trou. Venez, ouais, laisse-les venir. Dès qu'il y en a un qui vient là, non, ne bougez pas, ne vous montrez pas. Ouais, je vois. Dès qu'ils viennent dans le trou, vous tapez pas dessus, les gars. Ouais. Ils sont là, okay, ils sont au fond de leur. On y est là en sneak. Go, il est là en sneak et on essaie de les prendre dès qu'ils s'attendent pas. Il faut surtout. On désneak plus à part ça maintenant. Il y a le bleu en bas. C'est lui qui m'a dit que c'était ici. Vu l'entrée, reculez, ils arrivent, reculez. Là, ils vont penser normalement qu'il y a que le bleu qui était là. Et donc, ils vont sûrement faire autre chose. Et du coup, s'ils font autre chose, on va pouvoir y arriver, s'intégrer tranquillou chez eux. Faut pas oublier qu'ils ont du stuff pété sa mère. Donc, il va falloir aller à tous les trois sur la map parce que je pense que c'est la map qui a le stuff le plus pété de la terre. Oh, fais gaffe. Ok, là, je pense qu'ils ont cru qu'il y avait que le. Attends, regarde, il est juste là. Si on arrive à tuer la map, putain, récupère du stuff pété sa mère, c'est lui qui a tout. Non, mais déjà, si on arrive à les drop tous les trois. Qu'on reste bien ensemble. Tout en sneakant toujours. Hein. Oubliez pas, venez, viens, Fuse. Tout en sneakant toujours. T'as vu, ils ont fait là. Ils sont, mais c'est bouché là, on peut pas rentrer. Bah je vous ai dit, ils allaient. Mais on peut underperl, non? Non, on a pas le droit, je crois. Ah, là-haut, regarde là-haut, regarde. Bouge pas. Hein. Bah gros, j'ai le rentré, hein. Regarde, viens. Bah ouais, doucement. C'est bon, je suis chez eux, gros. Regarde, vous êtes là? Ok, on est tous les trois là. Mais... Doucement, on essaie de trouver la salle. Ce plan est foireux. Oui, de ouf. Franchement, là, on peut prendre le temps, on sait qu'ils sont là, donc on peut prendre le temps de faire les choses. Là, par là. Oh, derrière, y'a la main, derrière. Ils nous cherchent. Faites plus de bruit. Venez, il est on descend. Tout seul, hein. Venez, on descend, c'est pas grave. On est dans la merde là. Ouais, j'avoue. T'es foutu. Si on met une TNT pour remonter. Attends, dès qu'il arrive. Comment c'est en bas, les gars? Des sneak un tout petit peu juste pour sauter, au pire. Il est là. T'es prêt? Vous êtes prêt? Ouais, je suis derrière toi. Y'a une K, il m'a vu. Fume-le. J'ai pris mid-life, désolé, Fuse.
fume-le, fume-le. Je suis tombé en bas, je suis tombé en bas. Sauvez-vous. Trip, descends, Fuse, descends. Ils ont les derrière. Prends tout, on se casse. Venez, suivez. On peut remonter comme on veut, j'ai creusé le truc, venez. Il y a la matou gris qui est juste derrière là. J'ai une potion de poison. Oh putain, alors là. Prends-la dans ta main ou envoie-la moi si tu veux, mais on va donner à Guild, je pense. Oh, c'est du P3 gros. Mets-le. Donne à Guild. Mais attends, mais il y a pas le droit ça. Mais ils sont là, les gars. Ouais, je vais leur mettre, c'est quoi? Tiens. Hop, je l'ai touché aussi. Il a pris cher de ouf. Hein. Tu es la matou gris là, allez. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, deux secondes, c'est un peu complexe, on bloque. Oui! Attention, non, c'est là, oui, pardon. Vous le rushez, vous êtes sûr? Ok, on y va. Il est là. Donc voilà, donc. Non! Mais dis-toi que mec, moi, je suis full protection, hein. Ils étaient full P3, mais d'accord, je comprends mieux en fait. Go end, hein. Mec, ouais, go passer par l'end. La montagne du doyen était. Bah ben voilà, on va aux montagnes du doyen, gros. Énorme récompense. Bah ben voilà, on y va, gros. On va à la montagne 50, du doyen. C'était sympa. En fait, j'avais envie d'en faire, du coup. C'est en haut, vous y êtes? Ouais, je suis en train de monter, moi déjà, gros. J'ai pas le temps d'attendre. Hein. Y'a deux coffres là, c'est ça? Non, faut que tu montes, tu vois, là où il y a les spawners. Oh, je monte pas. Y'a quoi dedans? C'est bon, je suis en haut, gros. Allez hop. Ah, t'es en haut, y'a quoi? Je sais pas, je suis en train de monter là, je suis en train de rusher. Je suis en train de faire le jump là. Oh bah y'a un jump en bas, tu vas finir le jump, ça c'est sûr. Ouais, par contre j'ai pas de... Si jamais je me foire, j'ai plus de saut, hein. Donc Enfin j'ai pas de saut pour descendre. Oh, il casse les couilles le doigt. C'est bon, j'y suis là. Pour vrai, il pouvait pas habiter sur une hutte. C'est bien, bon, une hutte. J'y suis gros, c'est bon, je l'ai. Ouah, y'a quoi dedans? Oh, flame 1. Oh mon dieu, ça c'est cheaté. Alors non mais mec, j'ai récupéré un stack de diamants, gros. J'ai récupéré un stack de diamants, Gigapult, des potions de régène, des fire resistance. J'ai la montagne du doyen, Ninjax, tu vois, il est pas si mal. Ouais, pas mal en fait. Je vais fusionner mon flame avec un power 3, je pense. Je vais faire un power 3. Non mais vas-y, go se faire un stuff P2, tout, parce que moi il manque des... Maintenant. Je vais faire du P2, je vais me faire mon flame, power 3 flame et on va y aller, on va leur péter la gueule. Mais j'ai un power 3 Infinity, j'avais pas vu. Oh bah voilà, nickel. Oh merci mon dieu, vas-y, on voit. Je fuse. Putain, power 3 flame Infinity, mais oui, c'est bon, ça va passer maintenant. C'était ce qu'il nous fallait, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Je vais réparer mon arc tout neuf. Ok. Ouais. Et ça coûte... Oh, il faut 33 niveaux, gros. Ouais, pour mettre le flame dessus. Il faut 33 niveaux. Eh, vous savez, moi, je connais un moyen d'XP de ouf. Allez, dans le Nether, vite fait. Hein. L'End, c'est mort. Bah, le Nether, c'est encore plus rapide, hein. Attends, mec, est-ce que vous voulez rire ou pas? Je crois que je vais me faire insulter. Je te jure, je vais me faire insulter. Dans la récompense de l'event de tout à l'heure, j'avais un stack de bouteilles d'XP. Mais non. Je les ai sur moi, je viens de capter. Ah bah attends, moi j'arrive, je rentre à la base et... Putain, ouais, je vais me faire insulter, je suis désolé. Ouais, on aura assez au moins, j'espère. Allez, on va les finir là, il reste 20 minutes pour les finir. Vous voyez, on peut le faire. Alors pour la petite info, je suis en haut, il y a un dropper entier d'Underpearl. Redescends-moi un stack ou un demi-stack. Je veux un stack entier, mais gros, c'est pas de problème, je te descends ça tout de suite. C'est bon, gros, je suis full P3, Sharpness 4, Power 3, Flame Infinity. Est-ce que vous voulez des gaps? Allez, go. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? J'ai des gaps, j'ai des perles, tiens, Fuse, d'ailleurs. Bah donne des gaps si t'en as une ou deux. Tiens, je te donne ça. Ah, j'en veux bien une, moi. J'ai potion de poison, potion de régénération, potion de fire aspect. Faut y aller vite, on y va en Go. Vous avez des bateaux? On les fume là, on a le temps d'en retourner un dernier pour finir, on en parle plus là. Allez, est-ce que je lui fais pour montrer un petit peu ce qu'on a? Allez go, c'est parti. Je lui balance direct. On est de l'autre côté, à l'inverse de toi. Et bon, maintenant, c'est fini les conneries, gros. Et restez bien à côté, surtout. Super important. Et si je crève, vous prenez mon arc et après, t'inquiète. Mettez vos TNT et reculez, moi j'ai le flame, donc tranquille, les gars. Putain, squelette de ils sont sur moi là. Attends, je mange une gapole. Attention à vous. T'es où? C'est en train d'essayer là, de m'avoir. Juste fais un trou. En fait, faut juste faire un trou chez eux là. Et on y arrive pas depuis tout à l'heure. Si on rentre avec l'arc, c'est ultra risqué parce qu'on a bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on rentre. Je veux qu'on les bute. Mais en rentrant, je veux faire un trou en fait. Je veux les obliger. Une fois qu'on est chez eux dedans, après, on peut les tuer. Attends, il a pas un arc P4, wesh. J'ai 32 TNT encore, y'a aucun souci. Moi, le problème, c'est que mon stuff risque de broc à force. Hein. Comme eux d'ailleurs. Il va mettre de l'eau encore. Bon, je l'ai enlevé. Oh, t'en as mis deux. Nice. Oh, nice, la TNT, elle pète bien là. Oui. Oh, oui, là, elle a bien pété. Encore là. Une. Allez, encore une. Elle pète. Ok, on peut rentrer. Allons-y. Vous êtes prêts? Reste loin. On y va. Mangez des gapples et tout. Guild, t'es tout seul. Go, rentrer. Ah, je me suis fait poison. Attends. Je suis pas parti. Je t'ai envoyé. C'est bon, mort. Prenez le stuff. J'ai pris. C'est bon, j'ai pris aussi. Kero brosse là. Kero, je vais sur lui. Et on reste à la surface, on rentre pas dans les bails. Je me suis fait flame par toi. Pardon, excuse-moi. Oh putain, c'est toi. Encule. Je vais mourir, je prends ma gueule. Oh, ils sont sur moi. Fuse. On monte. Lama. Il faut me sauver, vite. On arrive. Il est mort. Mange. T'as une gap. On dégapple. Il m'en reste plus qu'une. J'ai pris la potion de régène heureusement, mais j'ai plus rien. T'as la potion de heal là? Là, attends, il y a full. Non, je vais les balancer. Derrière, ils ont encore du stuff là. Nijax. Je me fais taper par Lama. On va leur drain leur stuff, hein, à force. Hein. J'ai une potion de poison encore. Ils arrivent. Linkia, du stuff là. Lama sur moi. Bien joué. Il est mort. Vas-y. J'ai plus de vie. Ok, vas-y, cours. C'est bon, j'ai eu la main. Vas-y, prends le stuff. J'attends mon heal. On récupère pas le stuff, les gars. Mais si, je l'ai là. Non, mais faudrait le brûler, le stuff. Ouais, mais tu sais quoi, gros? Tu sais quoi, je vais faire péter avec une TNT. Bon. Okay. Vas-y, recule. Là, tu sais quoi, faut faire péter. Bougez pas. Mettez, vous êtes prêts? Allez-y. Allons-y, mettez.
Vas-y, attends, j'ai mon briquet, il est où? Il est là. Attendez, reculez, on pète tout. Ils ont plus de stuff, c'est bon. Le stuff est terminé, ok, ils ont encore du stuff en fer là. On en finit, derrière toi. Il est mort. La mat ouvrie. Il a, c'est nice. Bon, ils ont plus de okay, stuff. Encore, c'est bon, je suis désolé. Power 3 Punch Infinity, qui veut? Ça donne, vas-y. Tiens, Ninjax, tiens, garde ça. Mon stuff en fer, si vous avez un pantalon en fer en rap, je veux j'ai bien. J'ai pas de. Quelqu'un a une flèche? Touché. Derrière toi, Fuse. C'est bon, il est mort. Ah, dernier stuff, Lenka. Là, on peut sécure le stuff. On vas-y. Le pète et on se barre. On sécure le stuff, ok, bon. On sécure tout, je pense, au niveau du stuff, parce que j'ai vraiment ramassé du stuff de bâtard. Oui, j'ai tout, j'ai mon inventaire full diamant là, vas-y, on se barre. Ils avaient encore du stuff en fait, ils nous ont caché qu'ils avaient plus de stuff. On peut rentrer là? Oui, on peut rentrer, c'est on bon. Peut rentrer. Venez, on reste bien ensemble, surtout, venez, on reste bien ensemble. Oui. Vous êtes là, tous les deux? On y va? Allez, préparez-vous, attention, ils ont sûrement fait un trap, je pense, pour remonter. Et faut que tout reste, genre, large pour remonter. Attention à vous, hein, les mecs. Hein. T'inquiète. Et là, c'est là, ils sont. Bah, c'est bon, là, leur salle, c'est bon, c'est fini, gros, c'est bon. Bah, ils savent qu'on est là, hein. Ils ont essayé de rentrer. Ok. Attention, les gars, ça fait vous pas? Je vais mourir. Je suis mid-life. Il est mort. Je vais mourir bientôt, moi. Ouais, de toute façon, là, ça fait facile 30 secondes. Ah, il TNT. Il est TNT. Il va nous niquer la TNT. Derrière. Allô? Ouais. Mais attendez, je suis revenu sur vous, il y a 10 minutes, vous étiez dans l'eau, et là vous êtes là-dedans. C'est bon, non mais on en a eu marre en fait. On a fait ce qu'on voulait, hein. Tu meurs là-bas. 10 épisodes, c'est le temps qu'aura duré notre combat contre les jaunes. 10 épisodes, c'est-à-dire plus de 3 heures, je sais pas si vous vous rendez compte. On a tenté toutes les stratégies du monde, on a été obligé d'utiliser notre alliance. On est mort, on est revenu, on a gagné des events qui nous ont donné du stuff. Puis on a recommencé à fight, et on a finalement éliminé cette team qui nous posait vraiment des soucis depuis quelques temps. Enfin, une soirée entière passée sur cet assaut, et on a gagné. Il était temps, on n'en pouvait plus. Mais ce n'est pas encore terminé. Il reste encore 2 équipes, les bleus et les blancs. Et vous savez quoi? La suite, c'est tout de suite. On continue, allez, on y va direct chez les bleus. Ouais, ils sont derrière, vas-y, chante. C'est bon, ouais, on en parle plus. Ah, il va mourir, lui. C'est bon. Ah, c'est bon, parfait. Ça fait jump d'un bloc, je te rappelle. Attends. Oh, mais il va faire chier. Mais en fait, ça nous empêche de rentrer, gros. Fuse, fume-les, s'il te plaît. Là, tu peux sauter. S'il te plaît, ouais, au lieu d'aller chercher leur base, on peut plus là. Oh, merci, il m'a poussé dedans. Allez. Attention, mec. Pars. Allez, hop. C'est bon, on y est, allez. C'est bon, gros. Le Rafo, il ressemble à XXXTentacion là, il vénère. Y'a un truc par là? Y'a rien. Ok, c'est de l'autre côté. Attends, mais gros, en fait, je vois pas où ça peut être en fait. Je me demande si c'est pas derrière en fait. Est-ce que c'est pas genre là? Bah, j'ai cassé, mais y'a rien derrière. Ça doit être du coup, tout simplement, du coup, au centre. Du coup, si c'est pas de partout. Je suis sûr, c'est dessous. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est là-dedans là. Mais non, mais y'a rien là-dedans. C'est quoi ce délire? Ah bah, c'est ici, y'a les coffres. Descends. C'est où? Faut que j'aille où? Descends, regarde, tu vois mon nom là? Hop. Allez, moi je les bute tous là. Allez, il reste les derniers là. Ou alors il y a un event de ouf. Ou alors si on fait tout dans cette vidéo, moi ça me va. Hein. Ah ouais, si on finit là, putain, j'en peux plus, frère. Mais moi les gars, à une heure par contre, moi je suis plus là. Hein. Oui, moi aussi à une heure, je dégage. Hein. Les viewers ils vont être en mode putain, ils ont pas envie d'être là, les mecs. Mais en fait, le seul problème c'est qu'en fait, moi je taffe après. Ça fait 15 heures qu'on joue là. Voilà, je taffe jusqu'à genre après là, il est 1h du matin, je vais taffe jusqu'à au moins 8h du matin, tu vois. Et je vais pas dormir donc, tu vois. Event final, on a notre base, nos PVP, une base à détruire, une salle à trouver, -45, 170. Allez, on va faire son event parce qu'en vrai, si Fano ça lui tient à cœur, je pense c'est quand même son event. Vas-y, on va quand même aller. Oui, on va y aller. Bon, allez, 7 TNT. En vrai, ils ont un petit peu de stuff, ouais. 7 TNT, mec. Trouvez la salle et la récompense sera vôtre. Oh, il y a des blaze, gros. En vrai, au pire, on les laisse utiliser leur TNT et puis exactement, gros, exactement. Laisse-les utiliser leur TNT et on en a plus, nous. Non, mais attends, pourquoi s'emmerder la vie? Attends. Oh. Faut remettre une TNT. Oh mon dieu. J'ai mis une TNT, hein. On est là? Allez, let's go, on rentre. Allez, parti. On peut le casser, n'est-ce pas là? Bah, ouais, je les pète. J'ai un saut de lait, heureusement. C'est un bail de ouais, salle de siphonneau. Je l'ai. Venez en bas, venez. Okay, vous voyez, bah, je ressors. Venez. Ouais, Ninjax, tu me vois là, regarde. Remonte. Fuse, tu me vois ou pas là? Venez avec moi. Ok, venez, vous me suivez encore. C'est bon. Oh, il y avait quoi dedans? Deux stacks de diams. Prenez les TNT, on va assaut direct les. Ah, mais attends, on a dû faire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de Fallen Kingdoms. Oui, ce sera la fin aujourd'hui, on en a rien à foutre parce qu'on a la team commerciale, on choisit, c'est nous qui décidons. Vas-y, speedrun. Attends, mais tu sais que j'ai du stuff, il est pas en chante là. À la fin du dernier épisode, c'est vrai qu'on était en mode vas-y, on rush pour finir. J'ai remarqué que le mot bateau ressemble beaucoup au mot teubé. Non, pas du tout. Mais non. Il y a absolument aucune ressemblance. Aucune ressemblance là. Ah, mais attends, le clic gauche, je viens prendre un peu le. La température? Eh ben, c'est simple, on est en train de faire un speedrunner versus Hunter. Hunter, ouais, bien sûr. Là, actuellement, là. Là, on speedrun la base. Mais vous êtes en train d'arriver, j'avais. Oui, on y est, c'est bon. Je cherchais juste les coordonnées dans mon record de la dernière fois. Je cherchais juste l'écho, c'est tout. C'est bon, on y est. On est devant, on est devant. Bah, on était 30, je te rappelle au début. Il est où, Lyon? J'ai du mal à croire quand même, à me dire que quand même, on est sur le point de gagner. Ouais, on est sur le point de gagner Fallen Kingdoms. Il y a une Underpearl, ah bah, c'est toi. On est là, vas-y, on y va, on commence direct. Hein. Mais une TNT au-dessus. What? Ah, ils ont la mis des leviers, mais comment faire?
Ils ont mis des blocs de redstone en mais fait. Mais une TNT pour remonter. Ouais, voilà, avec de l'eau comme ça, nickel. Regarde, 10,000 IQ play. Ah, ouais, bah oui, c'est trop chaud. Allez, ah oui, enfin. Allez, parti. Vas-y, mêlez, je les défends. Balance tout. Moi j'en ai pas tant que ça, j'en ai plus que 3 là. Attendez, wow, vous en avez trop mis. Vas-y, je te laisse gérer gros. J'y vais tranquille. C'est que là, on va mettre toutes nos TNT pour rentrer et après il faut qu'on arrive à aller jusqu'à leur base. Hein. Ça c'est j'ai pas donné. Non mais ça va, ça va être chiant. Est-ce qu'on passerait pas directement par leur grotte sinon? Ah bah regarde, en dessous y'a un trou, regarde Fuse. Vas-y hop, venez, Ninjax. Putain, ils ont mis des leviers partout, mais attends, les leviers. Ah oui, on peut les activer. Bon, je vais poser toutes les TNT, ça va être vite finir. Ah faut faire gaffe de. En fait, ils ont mis plein de genre des plaques de pression, des trucs. Ouais, y'en a une qui est bonne. De toutes ces plaques. En vrai, faut juste péter des TNT et quand tu trouves un courant de redstone, tu suis le courant de redstone. Ils sont allés chez nous, hein. Ah ouais? Bah, je crois, je les vois plus en haut là. Bah, on va aller. On se speedrun alors. Go vite. Alors, vas-y, on y va direct. Hein. On a des underpearls donc on peut aller plus vite. Ouais. Hein. Oui, mais après, de toute façon, nous. Vite. Ah ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'est nous speedrun. Putain, imagine, ils nous speedrun. Non, ils vont pas nous speedrun. Alors, je me fais taper. Ils sont là, ils sont derrière. J'ai pris une potion de vie, hein. Vas-y, plus de vie. Ouais, moi aussi, les gars. Je suis dans la merde, moi. Je suis en train de les virer vraiment les nids par derrière là. J'ai buté Dark. Non! Vas-y, il va falloir que tu viennes, Fuse. Voilà, et j'ai plus de vie, j'ai un demi-coeur, faut que tu m'aides, gros. Il est là, Yoneko, il est là. Voilà, ouais, nickel. Fais tout péter. Voilà, nickel. Oh, y'a un coffre ici? Ah, bah voilà, on l'a trouvé. Bah, j'arrive. Bah, s'il y a un coffre, je pense que c'est là. Hein. Ah, bah oui, forcément, si c'est dans les grottes, c'est que c'est forcément là. Bah, on a trouvé, j'arrive. C'est bon, on a trouvé. Ah, bah, j'ai tout pété. Mais on a trouvé, ouais, on a trouvé les coffres. Ah bah, elle est chelou leur salle des coffres en fait. Attends, ils arrivent, hein. Ah ouais, donc c'est vrai, c'est bel et bien leur... Ah, j'ai balancé ma potion comme un gros connard. Faut juste les empêcher de reboucher aussi, tu vois. Est-ce que vous les aviez vus aller dans cette direction pour l'instant? Mais pas du tout. En fait, en gros, non mais en fait, on a mis une TNT pour détruire leur stuff. Il a mis une TNT au pif. Mais par contre, mais c'est trop bizarre parce que la salle des coffres, c'est genre, il y a un coffre. Alors, je te dirai après ce que c'était leur salle des coffres, c'était super bien planqué, mais ce qu'il y a de fou, c'est que vous avez posé 2 ou 3 TNT dans la même zone et en fait, vous êtes allé direct dans la bonne direction. Il faut qu'il y ait Ninjax techniquement pour le. J'arrive. Attends, Yoneko, il arrive. Il a rien. Bah ouais, mais voilà, je suis mort, mec. Mais oui, mais je savais, gros, bien sûr. Faut juste pas qu'il récupère mon. Je suis tout seul. Mais le truc, c'est qu'il faut pas. Va chercher mes TNT, gros. Mais j'arrive. J'ai des perles. Faut juste pas qu'il récupère, mec. Faudrait que tu viennes, juste toi. Si t'arrives à venir, c'est bon. Prends des TNT, au fil. Bah, on en a plus, non? Si, on en a. Moi j'ai des TNT en bas, les gars. J'en ai plein, c'est bon. J'en ai. Ok, vas-y, fais péter. Sauf que je suis en bas. Sauf que je suis en bas maintenant, faut que je remonte 2 secondes. Parce que là, ils ont du stuff. J'avais des perles. Vas-y, Gil, c'est ton moment de briller. Putain, les poules, ils font des trucs chelous. Pour vous? Bon, y'a plus TNT hein, dans les coffres. C'est bizarre, on avait un stack vraiment. Vas-y, fais péter. J'ai ouvert, c'est bon. Normalement, c'est bon là. Ok, ouais. Vas-y, go. J'arrive. Et alors, du coup, pour rentrer, moi je fais comment? Je vais t'ouvrir avec la TNT, je viens de t'ouvrir. Je sais pas de quel côté je me mets. Attends, je vais venir là où on est nous. Mec. Là, tu vois, là où il y a SD Chachaz, ils sont derrière toi, Ninjax. Là, voilà, par là, tu vois, regarde. Et bah là, ici. Ah, il y a Dark Heaven qui rebouge. Voilà. Bah là, ouais, ici, bah, là. Voilà, Chachaz, ici. Ouais. Voilà, ici, là, tu vois, bah je t'ouvre bon, là. Il est en train de faire péter. Vas-y, tu peux rentrer là, vas-y. Merci. Allez, viens direct. Vas-y, on y va. Et on t'y amène, hop, voilà. Et là, du coup, fais gaffe de pas tomber, il y a un trou là. Je te mets même une TNT pour pas que tu tombes. Oh putain, hop là, viens ici. Viens là. Et c'est ici. Et là. Okay, et là on a juste à attendre, et voilà, et il faut juste attendre ici. 300 kills. On a gagné. Ça c'est le stonk là hein. Ah ouais là gros c'est plus 100 000 abonnés. Allez s'il vous plaît, là, abonnez-vous tous là, 1 million d'abonnés s'il vous plaît. 1 million d'abonnés s'il vous plaît là. À l'époque c'était ça. Ouais, GG. La base n'a pas été assez solide. On a mis une TNT à un endroit, il y a eu un coffre, on a fait hop. C'est ça qui est fou, vous avez mis 2-3 en fait, TNT que... dans la même zone. Non mais en fait, descendre, moi la TNT que je l'ai mis pour détruire le stuff de je sais plus qui qu'on avait tué. Et ça t'a ouvert la salle. Ouais, ça a ouvert la salle. En fait le truc c'est qu'il fallait user d'une houe afin de dévoiler un bout de terre. C'était de la terre qu'il y avait ici. Ouais, c'est de la terre. C'est de la terre en fait, ça a la même texture que de la stone. Avec la TNT, moi je dis c'est plus rapide. Vous en restez beaucoup les verres de TNT? Moi il m'en restait 2. 13 sur moi. Il m'en restait que 2. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était pas long. Ouais, mais quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on en avait plus, c'est vraiment qu'on a tout utilisé sur. La dernière fois, on a vraiment tout utilisé. Bien joué à tous. Bien joué à tout le monde. Ouais, GG à tous, vraiment. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ouais, c'était cool. Bien sûr. Petite conclusion de fin, on a 300 kills. Ah, c'est quoi? Sur les 300 kills, attends, ouais, 155 kills. Et comment on voit les morts? Dégâts reçus, 1232. Gros, j'ai fait 27500 de dégâts. Et voilà, mesdames et messieurs, après 5 soirées de tournage, des heures et des heures d'enregistrement, de jeux, plus de 300 kills, nous remportons cette 10ème saison de Fallen Kingdoms. La team commerciale a vaincu grâce à ses 500 stacks de TNT notamment. C'était long, c'était vraiment très très long et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai adopté ce rythme de diffusion. C'était juste impensable que je diffuse 29 vidéos comme ça en fait. C'est une série qui m'aura pris énormément, mais alors énormément de temps à monter. J'ai essayé de trouver le format qui correspondait le mieux et c'était super difficile parce que des fois fallait que je condense une soirée entière de tournage en une seule vidéo.
vidéo. Il y a eu pas mal de retours de gens qui me disaient mais pourquoi tu t'es pas trop cassé la tête et t'as pas tout simplement envoyé tous les épisodes comme ça sans montage. Mais en fait moi ça m'intéressait pas de vous diffuser des épisodes où il se passait rien, notamment bah vous l'avez vu dans cette soirée, il y a un épisode qui fait 1 minute 30. Enfin voilà, je me voyais pas vous diffuser 20 minutes de contenu où on farmait des enderpearls, tu vois. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu, c'était vraiment galère de ouf. En tout cas, carrément content de notre parcours, on a éliminé 5 équipes, c'est-à-dire plus de la moitié de nos adversaires au total dans cette saison. Il y a eu beaucoup de retours, notamment même sur notre façon de jouer. Certains ont été un petit peu déçus, notamment lors de l'assaut de la team de Gep, qu'on n'ait pas cherché un minimum leur salle. Mais rendez-vous compte aussi que ça faisait plusieurs soirées qu'on tournait déjà, quasiment d'affilée, hein. Et je pense que vous vous rendez pas forcément compte, mais au bout d'un moment, la pression du jeu, plus le fait que ça soit extrêmement long, hein, voilà, vous voyez que comment c'était long, là, 29 épisodes, je vous laisse calculer, en épisode de 20 minutes, combien de temps ça fait au total. Ça nous a poussé un petit peu à rush, surtout quand tu passes 4 épisodes à chercher une salle pour rien. Souvenez-vous, la première team qu'on a sortie, on a passé 4 épisodes pour chercher leur salle, pour rien. Alors forcément, les autres teams derrière, bah voilà, on a rush quoi. Et puis bon, on n'allait pas les regarder ces TNT, si on nous les a donnés, c'est pour les utiliser, tu vois. Merci énormément aussi pour le nombre de retours positifs que vous m'avez fait, notamment sur le format de diffusion. Au début, beaucoup étaient sceptiques, et finalement, vous m'avez vraiment régalé, alors merci infiniment. Si vous avez aimé cette série, surtout n'oubliez pas de me le dire avec un petit pouce bleu et un commentaire. Peut-être qu'il y aura une saison 11, peut-être pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à tous d'avoir suivi notre point de vue, et je vous uploaderai un de ces 4, notre vision complète, sans cut, sans montage pour ceux qui veulent. Enfin, si j'oublie pas quoi, hein, voilà. Allez, des bisous.